Bonjour les partageuses, les partageurs. Alors hier, je vous ai pas fait de petite vidéo pour une simple et bonne raison que j'étais pas vraiment chez moi. Non, je rigole. J'étais chez moi, mais c'est monsieur qui a cuisiné. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette dans ces moules stick qui sont actuellement en promotion. Je vous laisserai aller voir à la fin. Je vous remettrai la promotion. On va aussi utiliser un indispensable, le Speedy Chef. Également en promotion. Vous allez retrouver le 3 en 1, le 7 3 en 1, donc qui se compose d'un couvercle, du zesteur, du séparateur d'œufs et du presse-sèvre avec un petit contenant de 200 ml. Voilà. Donc ça, je vais l'utiliser pour le... pour avoir le jus. Le deuxième pichet pour mes blancs d'œufs et celui-là pour mon zeste. On va également utiliser les pichets. Donc là, j'ai mis 200 ml d'huile. On va utiliser un ancien produit qui me sert aujourd'hui de cuillère à mesure. Voilà. Donc c'est 100 ml. Donc on aurait pu utiliser... nos cuillères mesure, mais j'aime bien utiliser celui-là pour cette recette parce que c'est un gâteau jeudi revisité à l'orange. Voilà. Alors, on va venir zester. Alors. D'accord. Essayer autrement parce que je n'y arrive pas. Bon, on mettra pas de zeste de cidre d'orange, je n'y arrive pas. Ce que je ne sais pas faire, j'aimerais bien des conseils de votre part sur ce coup-là. Hop. Donc on va venir couper l'orange. Et la presser, comme ça on va récupérer son jus. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, je viens presser. Alors, si vous avez des conseils pour zester une orange, je suis preneuse. Ça va être la période de Noël, tout ça, ça devrait être bon de faire des trucs à l'orange. C'est plein de vitamines. Les enfants aiment ça. Enfin, certains enfants aiment ça. Moi, je me mets seulement aimé cette année, donc je ne dis rien là-dessus. Oui, je garde les oranges pour les mettre sur mes radiateurs. Hop. Toute la pulpe reste là-dedans, voilà. Et là, vous avez votre petit jus d'orange que vous mettez de côté. On va venir mettre les blancs. D'un côté, voilà, et les jaunes de l'autre.
Donc mon four se met à préchauffer. Tout ce que je déteste. Donc là il se met en route. Je l'ai mis à 180 degrés. Donc il préchauffe tranquillement. Comme vous avez vu, mon jaune s'est cassé. C'est pas très grave. Voilà. J'ai réussi à le récupérer. Pas entièrement, mais j'ai réussi. Voilà. Donc, j'espère que je vais réussir à monter mes bornes après. Avec mes jaunes d'œufs. Désolée, j'ai su entre deux. Parce que du coup, j'ai fait des catastrophes. Et j'aime pas. On va venir rajouter juste 100 ml de sucre. Ici du sucre blanc. Voilà. Comme vous avez pu le voir, c'est dans une boîte Tupperware. Qui sont remplacés par les boîtes modulaires. Voilà. Donc là, je viens blanchir mes jaunes d'œufs avec le sucre pour que ça donne de volume. On peut le voir, voilà. Je viens rajouter mon zeste de citron, mon jus d'orange que je vais venir mélanger. Je vais venir rajouter 100 grammes de farine. Ceci. Toujours les anciennes boîtes. Vous avez maintenant les boîtes modulaires pop qui sont au catalogue. Je passe en vitesse 2 pour ne pas me fatiguer. Je viens ajouter mon huile. Donc j'ai ajouté mon huile, je la remélange. Ma pâte est bien homogène. Je vais venir ouvrir le couvercle, rincer mes pannes pour monter mes bords neige. Thank you.
ça ne montera pas plus. Donc ça fait une crème d'œuf blanc. Désolée. J'ai un chat qui doit se balader quelque part par ici parce que hop, j'avais des poils le pied de là. Donc d'habitude, je les incorpore délicatement sans les casser. Hop, à ma pâte. Je viens remélanger tout. Du coup, en vitesse 2. Ceci. Je réserve de côté 2 secondes, j'arrive. Donc j'ai récupéré ma plaque, comme je le disais, et je vais venir verser délicatement dans mes moules. Avec ma spatule silicone, raclée pour les remplir et envoyer sur l'autre partie. Donc je le fais pour 2 moules que j'enfournerai pendant 30 minutes. Je vous mettrai le résultat comme d'habitude en photo et je vous dis à bientôt les petits partageuses et partageurs.